Bonjour à tout le monde. Monsieur Hervé Lefebvre, président de la communauté de communes du Sanès et maire de Saint-Matan, son vice-président, monsieur Pierre Lacombe, monsieur Guy Larré, qui est vice-président de l'Office de tourisme, et Michel Tajan, qui est donc l'organisatrice de cette exposition. Je vous remercie donc d'être présent ici. Chaque année, c'est l'occasion, à cette époque-ci, au moment du 11 novembre, de nous remémorer un petit peu les souffrances qu'ont endurées les Français à cette époque-là. Et disons qu'on en profite autour du 11 novembre pour mettre au jour les difficultés et les caractéristiques très particulières de cette guerre. Alors, Michel a organisé cette exposition ici. Elle en organise une actuellement aussi dans jeudi, vendredi et samedi prochain à Savaillant, comme elle le fait chaque année. Et cette exposition, elle a associé les œuvres picturales de sa petite fille, Emma Suira, qui est ici, voilà, qui se destine à une carrière artistique, je pense, et donc qui a travaillé sur ses peintures. Comme sujet, la Première Guerre mondiale. Donc c'est sa première exposition, je crois, ou elle a déjà exposé à Savaillant, déjà une à Savaillant, et c'est la première exposition qui sort un petit peu de Savaillant. Donc je vous remercie, c'est très intéressant, et je crois qu'au niveau de toutes les communes du Savès, il y a un mouvement qui fait que, enfin je sais qu'à Savaillant c'est comme ça, à Pulosic aussi, qu'on a tendance à essayer de faire ressortir tous les souvenirs des anciens de nos familles qui ont participé à cette guerre. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier, et ces expositions sont un modèle de ce qu'il faudrait pouvoir faire régulièrement. Donc je les remercie d'avoir exposé, d'avoir pensé à nous pour cette exposition, qui est, je dois le dire, complémentaire de celle qui a lieu actuellement à la médiathèque, et consacrée aux femmes pendant à l'action des femmes pendant la Première Guerre mondiale, que je vous conseille d'aller voir aussi sur un sujet très proche. Voilà, je vous remercie. Je passe la parole à Hervé Lefebvre, qui est le maire de Saint-Matan. Merci.
Bien, monsieur le président d'Office Tourisme, monsieur le vice-président maire de Montpezat, monsieur le vice-président de la communauté de communes maire de Montadet, madame l'adjointe en charge de la culture de Saint-Nathan, mesdames, messieurs, cher Michel et cher Emma, donc merci déjà d'être aussi nombreux ce soir. Alors je sais qu'il y a du lien amical et familial, mais ça fait partie des vernissages, c'est-à-dire c'est un moment un peu empreint d'émotion aussi hein, pour les artistes ou les concepteurs de ces expositions qui viennent ici. Alors évidemment, on se rapproche, dès qu'on rentre dans le mois de novembre, on se rapproche du 11 novembre, qui est une période de commémoration hein, au niveau national. Et évidemment, depuis le début des commémorations du centenaire, donc depuis l'année 2014, hein, pour se fêter 1914, on organise chaque année dans le Savès un certain nombre d'expositions, de manifestations, donc sur différentes communes et villages. Hein, j'insiste, ce n'est pas uniquement les centres-bourgs de Lombès et Saint-Nathan, c'est également les villages, et en l'occurrence ici, Savaillan, hein, puisque Michel est également élu à Savaillan, qui font des manifestations, des expositions, ou qui organisent, on va dire, des commémorations. C'est quelque chose qui est bien suivi par les élus du territoire. Donc, que ce soit les champs de bataille, donc, en Belgique, Flandre, Nord-Pas-de-Calais, ou également tout ce qui est Champagne et la Marne, évidemment, Verdun et la Marne. Voilà, donc c'est peut-être quelque chose à réfléchir qui pourrait être une démarche collective intéressante. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence et puis merci à nouveau à Michel Emma. Bon, je me sens un peu toute petite quand même après ces deux discours. Je tiens à vous remercier d'être là. Je tiens à remercier Bernard, président de l'Office du Tourisme du Savès, de m'avoir donné la possibilité de présenter cette exposition. Merci aussi à monsieur le maire d'être là et d'avoir fait ce beau discours. Je vous remercie beaucoup. Bon, je remercie aussi Guy, Pierre. Hein. Je les connais parce qu'on se rencontre beaucoup dans des réunions de la communauté de communes. Et je remercie des élus qui sont présents et je suis fière qu'ils soient là. Le peu, c'est au moins quelque chose de positif pour moi. Bon, les membres aussi d'associations et vous tous. Je tiens aussi à remercier les partenaires qui m'ont aidé à faire l'exposition. Parce que sans des gens qui possèdent des objets, on ne peut pas faire ce que vous voyez là. Alors je tiens à remercier le musée paysan de Simor, qui me prête régulièrement depuis 4 ans des objets, qui marquent symboliquement cette guerre-là, puisque ce sont des objets de cette époque. Bon, je dis merci à Dipole Berrière, la présidente du musée paysan, de toujours me dire oui pour le prêt d'objets. Je tiens à remercier Jean-Claude Pasqualini qui me prête aussi des objets et qui me donne beaucoup d'informations parce que c'est quelqu'un qui est très riche en connaissances. Je remercie Kevin Dieu qui est un petit jeune qui est très sympathique et qui fait de façon à récupérer plein d'objets, de rencontrer les gens et de faire partager ce qu'il trouve. Je tiens à remercier Yvon Mercier qui fait partie aussi des amis du musée paysan, qui m'aide aussi pour des objets, toujours des objets qui, par rapport à la guerre. Et après, il y a tout ce qui est les archives départementaux, les archives communaux, le moyen de pouvoir aller chercher, ou sur Internet, tous les éléments qu'il faut pour construire tout ce que vous avez autour. Là, je suis allée aux archives de la Dépêche, où j'ai passé toute une journée pour pouvoir construire ces petits livres. En fait, à chaque fois, j'ai fait des démarches pour faire toutes ces choses-là, et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé de ce côté-là. Et mon mari, mon aide de corps, qui est toujours là pour me dire, il me donne des conseils, j'ai fait la grande trame, lui il passe à faire la petite trame, et il me dit, ah oh ben là ça va pas, parce que l'homme qui est blessé parle au chien, et il demande au chien, ou le chien parle à l'homme, c'est comme on le veut. Il nous faut le ravitaillement, il nous faut les réservistes, il faut arrêter le front et il faut retourner au village, voir nos femmes et notre clocher. Donc il faut monter à la victoire. C'est comme ça que cette scène est née à Savaillan en 2016. Voilà.
Emma, ça va être pour toi. Moi, je reprendrai la parole. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, juste que j'ai passé un très bon moment avec ma grand-mère à peindre cette toile, qu'elle m'a expliqué ce qu'elle voulait, qu'on a regardé des photos ensemble, et que tout ça a mélangé, on a réussi à faire quelque chose comme ça, et elle m'a expliqué au fur et à mesure tout ce qu'elle faisait, tous les dossiers qu'elle lisait, et c'était super intéressant. Et je suis très contente d'avoir travaillé avec ma grand-mère, je suis très fière de ce qu'elle a fait. Vous allez pouvoir profiter de petites friandises et de quelques boissons. Partagez ensemble. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie.